est Chris Hackett? Ta gueule. Les gars, elle a tué Kaylee. On va pas encore remettre ça. Caitlin, je fais quoi? Oh, waouh, visiblement, t'as une âme de leader, toi. J'ai dit ta gueule. Non, pas question, je refuse d'être impliquée. T'es tout seul, mon pote. Mais bon, pense à tout ce qui s'est passé cette nuit. Je dis ça, je dis rien. Attends, t'as vraiment entendu une femme pleurer quand t'es partie? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? C'est l'histoire de fantôme qui nous a raconté, hein? C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de monstre. Elle est réelle et vous êtes tous dedans. Ton bracelet. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de vous aider. Dans le pire des cas, ça te donnera une chance de t'en tirer. Et ça les tuera? Pour de bon? Ouais. Mais si c'est Nick ou un autre? Comme j'ai dit, dans le pire des cas... Ryan, pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un. Bon, allez. Où habite Chris Hackett? Quand il est pas au camp, je veux dire. Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais? Vous êtes bien moniteur, non? Vous avez passé 2 mois ici? Il est pas au sous-sol, et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois. Il me faut un point de départ. Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt. Hé ! Quoi ? Écoute, il y a peut-être un autre moyen. T'y as pensé à ça ? Je viens de passer tout un mois à réfléchir qu'à ça. Bon, quand le soleil se lèvera, je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et Max non plus, ni tous les autres qui ont été mordus. En quoi c'est notre problème? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois? Et puis n'oublie pas Nick. Ok, si vous continuez, va falloir vous jeter un seau d'eau. Ryan, faut qu'on sorte d'ici. J'ai plus beaucoup de temps. Si je trouve pas Chris Hackett, alors des tas d'autres gens vont être blessés. Je viens avec toi. Hein? Je viens avec toi pour te prouver que Chris Hackett a rien à voir là-dedans. Il voulait qu'on reste à l'intérieur ce soir. Il voulait nous sauver. Je me fous de ce que tu crois. C'est moi qui m'en fous. Ta gueule. Bon, fais comme tu veux. Mais t'as bien vu avec Nick, on l'a mordu. T'inquiète, tout va bien se passer. La voiture que t'as prise, elle est où? Au fond du lac. Pourquoi? C'était une voiture de flic volée. Tu vas devoir essayer de réparer le minivan. Vous devez partir. T'as combien de temps? 1 heure ou 2, j'en sais rien. C'est pas vraiment une science exacte. Alors faut qu'on se bouge. T'es bien sûr que c'est par là? Pratiquement, ouais. Pratiquement ou totalement? Tu m'as pris pour quoi? Pour un guide? Est-ce que t'es déjà venu ici? Eh ben, non. Quoi? T'es sérieux? J'en sais pas plus que toi, ok? À quel point tu connais Chris Hackett? Monsieur H, plutôt bien.
Autant que la route à suivre pour atteindre la maison? La première fois que je suis venu, je vivais une période tendue, et Monsieur H m'a bien aidé. C'est un type bien. Tu le connais pas comme moi. Tu le connais pas du tout. Ok, ok, ouais. T'es son chouchou. C'est quoi ton problème ? Écoute, je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond, pas vraiment. Eh ben, je connais Monsieur H et il nous ferait jamais aucun mal. Et moi, je peux te dire qu'il n'est pas le type bien que tu crois qu'il est. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider les gens. C'est pour ça que la colo existe, pour aider les gamins. Ouais, j'en doute pas. Tu sais ce que je dois faire, hein ? Je sais. Mais que si on peut pas lui parler, s'il n'y a pas d'autre moyen. Passe devant. C'est là, le manoir à Kate. Alors comme ça, il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois. Regarde-moi ça. Non, mais c'est là que vit sa mère, je crois. Je connais pas, mais si on veut des réponses, c'est sûrement là qu'il faut commencer. Mais, attends, comment on y accède ? C'est-à-dire ? Comment on accède au manoir ? Ça, c'est une très bonne question. Y a qu'à pas y aller. Écoute, je sais bien que Chris est ton pote. S'il y avait un autre passage, je te le dirais. Ok. Ouais. Laura, Chris est un type bien. C'est pas une question de bien ou de mal, Ryan. Et comment tu peux en être aussi sûr ? Si je laisse ma conscience s'en mêler maintenant, tout sera encore bien pire pour tout le monde. Crois-moi, s'il y avait un autre moyen, j'en serais ravie. Où est-ce que tu vas ? T'es pressé, tu te souviens ? Il doit y avoir un autre moyen de traverser. Je te tiens ! Regarde, ça va lâcher ! Oh ! Merde! Est-ce que ça va? Laura? Mais les points d'eau, elle redoutera. Ouais. Oh mon Dieu, Laura! Putain de bordel de merde! Attends, voir. Qu'est-ce que tu fais ? Du calme, regarde. Comme tu as de grands yeux, mère grand. Oh merde ! Non. Tu vois du jaune dans mes yeux ? Je sais pas trop. Merde. On n'a pas beaucoup de temps. Ça doit faire partie de l'ancienne carrière. Sûrement. Ça remonte sûrement à la carrière. Sandek.
Plus personne descend jamais. Ça? C'est elle. Qui? La folle de Hackett Squarry. On dirait qu'elle veut nous avertir. Ou nous guider. Non, c'est pas possible. Cet endroit n'est pas du tout aux normes. Bah, si les normes, c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer, ça correspond plutôt bien. Il faut qu'on continue. Regarde-moi ça. Je dirais pas non à un bon burger là tout de suite. Arrête tes conneries. Oh la vache, c'est haut. Wow. Que peut-être il pourrait y avoir quelque chose avec nous. Soit ça, soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait. Sacrée descente. Bon. Où est le panneau sorti? Regardez qui a finalement de l'humour. Il y a un truc que je pige pas. Comment ça? Ton petit numéro de solitaire ténébreux, là, ça colle pas vraiment avec le « j'adore mon directeur de colo ». Donc je rentre pas bien dans ta case, c'est ça que tu veux dire? Arrête, tu m'as comprise. Je viens depuis des années. Quand on connaît bien un endroit, on s'y sent comme chez soi, tu vois. Enfin, jusqu'à maintenant. Et pour ta pote, là, Caitlin, non, c'est ça? On dirait qu'elle t'admire beaucoup. Ouais, elle... elle a un faible pour moi. Dylan aussi. Oh, je vois que c'est pas la modestie qui t'étouffe. Je dis pas ça pour me vanter, c'est la vérité. Ils essaient pas non plus de le dissimuler. Et de ton côté, lequel tu préfères? Je sais pas. Peut-être aucun. Par là, il y a de la lumière.
Ouais. Ou bien tu peux rester là, comme tu veux. Je vois que tu manges bien tes épinards. Alors, tu vas entrer en premier dans ce tunnel à moitié effondré, ou j'y vais ? Bien. Attention, ça pique. Merci, ça va. On a trouvé de quoi s'amuser. De l'alcool, la prohibition, des tunnels de contrebandiers. Ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans. Il doit être encore bon. Bon ? Millésimé. Alors les Hackett étaient contrebandiers. Logique. Après la carrière, ils ont dû se diversifier. Allez, on verra ça plus tard. Tu crois qu'on y est ? Je sais pas, je suis complètement perdu, là. Ah. Ouais, pareil. On y va ? C'est quoi ici ? C'est un peu de ma faute. Je me suis embrouillée avec un des locaux. Putain, Kathleen, c'est un vrai champ de bataille. Tu devrais voir l'autre type. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob et Emma ? Probablement rien, j'espère. On devrait pas les chercher ? Les prévenir ? Je crois que le plus sûr... Le plus responsable, c'est de trouver de l'aide. Ok. Et puis, on viendra les rechercher. Et Nick. Et Nick. Attends. Quoi ? Est-ce que... il y a quelque chose là-dedans ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Jacob ? Emma ? Est-ce qu'il... J'ouvre la portière ? Si tu veux mourir... Je suis vraiment désolée, je savais pas que c'était toi, j'avais la rouille et j'ai cru... C'est pas une lacrymo. Quoi ? C'est du déo. Oh. Ouais. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le van.
Dylan, t'as... Alors elle était au commissariat depuis le début? C'est ouf, hein? Alors que nous, tranquilles, on passait un super été tous ensemble. Sans savoir. Merde. Ok. Tu peux réparer? Non. Ah. Pas sans certaines pièces. Notamment un doigt d'allumeur. Je crois qu'il y a une casse pas loin. Alors tu peux réparer? Ben, je promets rien. Mais j'espère. Si on trouve ce qu'il me faut. Ça me paraît peu probable. Dylan, allez, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Bon, d'accord. Une fois encore, Dylan se met en danger de mort pour le bien de ses collègues. On est censé faire quoi, au juste? C'est vrai, le van est sympa, mais c'est pas non plus une forteresse. Ben, il y a bien le sous-sol du chalet, ça devrait être sûr pour l'instant. Ok. Abby, tu me suis. Courage. C'était quoi? Hein? C'était quoi? Oh, c'est rien, on a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains. Vieil alambic. Les affaires devaient bien tourner. Bien. Ça vient de là-bas. Jacob. C'est Ryan. Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh putain, il faut que tu me tires de là.
Comment? Sors tout de suite. Électrifié. Bon, ok. Il y a une armoire dans l'angle de la pièce. Je crois qu'elle gère l'électricité. J'ai vu un vieux. Celui qui était dans les bois, juste devant. Qu'est-ce que tu fais là, Travis? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Bon. C'est Kelly. Est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant, je suis sûr que ta tête de flic tourne pas rond. Impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent. Elle est morte, ment. Non. Pas ma petite Kelly! Espèce de pourriture! Pas ma petite Kelly! Va au diable! Qu'est-ce que tu lui as fait? T'as été mordu? Mais elle est folle! Attends! C'est lui! Réfléchis! Pourquoi on l'aurait enfermée dans une cage? Alors qui c'est? Mais c'est qui cette fille? C'est elle qui commande. Tu t'es déjà trompé une fois, peut-être même que c'est Nick. Ton pote? Hé, écoute, ok. Ils disent qu'ils sont occupés de deux d'entre nous, sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. Oublie pas, faut qu'on soit sûr. T'as fondu. Ryan, faut que tu me tires de là. Ok, je rentre tout de suite. Ils l'ont prise! T'es qu'une espèce d'abruti! Mort. Mais putain, espèce de sale petit con! Dégage de ma vue! Ok. Explique-moi. Ok, bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut ouvrir ma porte. Et cette porte. Mais surtout pas cette porte. Ah, super. Merci, Einstein. Mais putain, va te faire foutre, j'essaie d'aider. Quoi, va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. Ok, il y a une armoire sur le mur là-bas. Un disjoncteur, je sais pas. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok, bouge pas. D'accord. Super, maintenant celle du milieu. Mais te plante pas. Je peux le faire. Reste bien concentré, mec. Allez. Oh merde. T'as une sale tronche. Merci, mec. Où sont les autres? Jacob, Emma était pas là. Je sais pas où elle est. Mais tu devrais les rejoindre. Fais gaffe. On est passé par les mines, je sais pas s'il y a une autre sortie.
Mon Dieu, pas ma petite fille chérie. Pas ma Kelly. Pas ma petite Kelly. Et donc, toi, t'avais ces foutus moniteurs dans ta foutue prison depuis 2 foutus mois, c'est ça? Et c'est maintenant que tu me dis qu'au lieu de leur coller une balle à chacun dans leur petite cervelle de petite merde, tu leur as donné ton fusil à balles d'argent et ils ont tué ma Kelly avec, c'est ça que t'essaies de me dire, Travis? Tu voulais plus de sang sur les mains, c'est ce que t'as dit? Non, et si ça avait été moi ou... Ou Bobby? Hein, dis? C'était ta famille. Un bon garçon protège sa famille. T'es pas un bon garçon! J'aimerais tout effacer. J'aimerais tout effacer, mais je peux pas. Non, vraiment, je comprends pas pourquoi pourquoi tu n'as pas réglé ce problème quand tu en avais l'occasion. Régler ce problème? Est-ce que tu t'entends? Oui, je m'entends, pauvre con, je suis peut-être vieille, mais je suis pas sourde! Je suis agent de police! Oh, et maintenant je suis aveugle, sale petite merde! Je suis aveugle. Oh, t'arrêtes pas d'agiter ton badge comme s'il valait des millions. Si tu l'as eu, c'est uniquement parce que Hank est mort dans le feu des gitans! Mort. Tais-toi! Ferme-la! Tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît? Ne me dis pas quoi faire! S'il Et fais te pas plaît. Comme si... Fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres, parce que non! S'il te plaît, assieds-toi. Ne me dis pas ce que je devrais faire! Sale pourriture! D'accord? Man, envoie-moi Bobby. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Rebonsoir. Je vous ai manqué? J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes. Faites-moi voir ça, d'accord? L'impératrice. Regardez-la. La chute est bien plus dure quand on est au sommet. Quelle tristesse, après avoir pris soin de ces petits monstres, de vivre assez longtemps pour les voir vous tuer. Mais elle n'en méritait certainement pas moins. L'amoureux. On trouve une harmonie dans le désaccord, uniquement mis en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient droit du cœur, on le goûterait. Et ce goût pourrait bien sauver la vie de quelqu'un. La roue de fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Les voies du karma sont impénétrables, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Alors ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un œil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera. L'empereur. L'autorité, la paternité, des structures destinées à s'effondrer, non? Les puissants peuvent tomber,
et leur empire avec eux. Qu'ils saignent, qu'ils se déchirent entre eux, qu'ils pourrissent. Des détails ? Alors choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. Partez, vous avez encore le temps. Faites attention, faites très attention. T'étais déjà venu ? À la casse ? Non, j'ai juste vu le panneau en arrivant. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la grande route ? C'est pas la grande route ? Non, on est sur le terrain des Hackettes. La grande route est à 2 km, par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout ? Oh, ta gueule ! Alors, on doit marcher encore 1 heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier... je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi, ça ? Faut continuer. Ok. Bon. Va falloir que je m'y fasse. Mais arrête ! C'est trop classe, un crochet. Je te promets, tu vas choper comme jamais. C'est vrai que c'est plutôt original. Je pourrais varier les accessoires. Voilà. Assume à fond. Ça te fait une histoire géniale. Ouais, je pourrais peut-être en parler sur la station de radio. T'inquiète, on en rigolera tous dans quelques années. Toi, moi, peut-être même Ryan. On s'est bien rapprochés autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées où il aurait pu se passer un truc. On verra l'année prochaine. Ouais, faudrait d'abord survivre celle-là. Ça changerait rien de toute façon, on a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes, sûres d'elles, avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Oh merde. Du calme, c'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Allez, par là. On fait quoi maintenant ? Bah... je sais pas, on peut se mettre à l'aise. Se préparer des cocktails, regarder la télé. Non ? Pourquoi t'es toujours aussi positive ? Pourquoi tu me poses toujours cette question ? Je t'ai interrogée sur ta confiance en toi, pas sur ce que t'essaies de faire là. J'en sais rien, je crois que... j'aime pas trop voir les gens tristes. C'est pour ça que tu fais ton truc de vidéo sur le net ? Ton truc de vidéo sur le net ? Je sais pas comment t'appelles ça. Tu sais, les gens croient que les influenceurs veulent juste de l'attention, et... c'est peut-être vrai, enfin, au début. Mais après un temps, tu te dis... c'est quoi la différence entre 4000 likes d'inconnus et 100 000 likes d'inconnus. Mais je fais marrer les gens. Je fais la conne et ils se marrent. Peut-être que je suis vraiment conne. Ou
Peut-être que j'aime bien faire rire les gens. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, quelle nuit de merde, hein? Ouais. Vas-y, je veux t'entendre le dire. Quelle nuit de merde, une nuit de sa mère ma pute. Lâchez-moi! Doucement, maman. Lâchez-moi, vieille sorcière! Je vais vous exploser la cervelle! Que tout le monde se calme. Pas facile de tirer à l'aveugle. Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à Makayli. Lâchez-moi tout de suite. Tu pourras plus nous faire du mal. C'est terminé. Arrêtez tous! Tu l'as tué. Mort, ferme ta gueule! Je t'interdis de parler à ta mère sur ce ton. Oui. Lâche-moi, connard! Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne s'occupe plus de les protéger, Bobby. Pas après ce qu'ils ont fait à notre Kaylee. Non, qu'est-ce qu'il lui prend ? Hé, l'autre aîné, tu chantes très mal. Il a mon couteau. Quoi? Elle m'a craché dessus, la salope. Tu fais bien de courir. Ok, j'aime pas ça. Non, je ferai pas ça. Non.
suis là, j'attends. Terminé. Tu m'échapperas pas dans ma propre baraque, enfoiré! C'est toi, l'enfoiré. Chopez-la, chopez-la, chopez-la! T'entends respirer, ma petite. Fini de jouer maintenant, ma petite. Côte toujours enfoiré. Attention, Jeb, elle a pas l'air fort. Oh, elle a été mordue. Ah. Tu sais, ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. Thank you.
voient dans le noir, c'est l'un des leurs. Où es-tu ? Je vais prendre plaisir à te regarder mourir, petite. Hé ! Que tout le monde s'arrête ! Ça suffit comme ça ! Explose-lui la cervelle. Elle est mordue. Oui. Oui, truffe-la d'argent, fiston. Allez, allez, mon vieux. Il faut que tu m'aides. Ah bon ? Ouais, c'est promis. Je dirai rien à personne. Non, non. La famille d'abord. Et je vais avoir des problèmes. Tu m'as planté ! Ouais, ça fait mal, hein ? J'avais jamais été planté avant. Laisse-moi tranquille. Aïe, mais ça fait mal. Papa ! Laura ! Wow, ouais, ouais. C'est moi ! C'est moi ! Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh. Oh, tu sais, la routine habituelle. Oh, Ryan! C'est grave. Je suis désolée. Si grave que ça. J'arrête pas d'essayer de régler ce merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant toi. C'est pas de ta faute. Rien m'obligeait à venir. J'aurais pas dû te laisser me suivre. Je crois pas que tu sois ma mère. Non. Désolé. Je vais mourir. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça... ça va guérir, hein. Attends.
Peut-être. Peut-être que oui. Quoi ? Ryan, si tu me laisses te mordre... Quoi ? Si tu me laisses te mordre, ça veut dire que tu seras infecté. Et là... Et là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Ouais. Ouais, je sais, le grand méchant loup. Ouais. Oh. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir. Si je te mords et que tu guéris, alors... Je devrais tuer Chris. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau, et la mienne, et celle de Max, et de tes potes. Je te laisse me mordre, et je vais tuer Chris à quête, ou je me vide de mon sang. En gros, ouais. T'as le choix, pour l'instant. Alors, on y va ou pas ? Vas-y. D'accord. J'ai la viande bien tendre. Ok. Tu devrais commencer à te sentir mieux. Bientôt, je pense. Bobby ! Merde ! Il faut qu'on parte. Allez ! Je te tiens ! Ne jette jamais rien, hein. Bon, est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement ? Bah, on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça, vous êtes pas tellement. Ok, alors on cherche des... moteurs ? N'importe quoi qui serait intact. Compris. Dans un documentaire ? Mais non,
Allez, ta gueule, viens. C'est qui? On dirait bien qu'il trafiquait un peu les registres. Ça pue. Tu l'as dit. Ces gros fils de pute avaient tout prévu. Bah ça casse les couilles. On est traqué par des monstres tueurs et c'est ça qui t'emmerde. L'un n'empêche pas l'autre. Quoi ça? Arum Scarum. T'as vu ça, Kathleen? T'as déjà conduit une grue, toi? En fait, j'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la salle d'arcade du coin. Les autres m'avaient surnommé la pince. Non, c'est non. Oh, je viens de comprendre. Tiens, et si t'allais voir si tu peux la descendre, qu'on jette un œil sous le capot?
Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, tu me protèges, hein? Ouais. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est le tour de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé. Oh, merde. Ok. Allez. On va tenter. J'ai trouvé ma vocation. Bah, il était temps. Bon. Peut-être aussi. Marcher son chat. Oh, c'est cool. Dylan, merci. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Oh, tu sais, c'est rien. Mais j'ai hâte de savoir qui y choisiront. Quoi? Pour jouer mon rôle. Dans le film. Sur mon courage héroïque. On se calme. Ok. Bon. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue? Toujours mieux que de rester ici. Allez. Ah.
On peut pas rester là. Pourquoi ? Dylan dit que ça va. Ouais, mais j'ai pas envie de poireauter là. Mais c'est littéralement tout ce qu'on a à faire, juste attendre le matin, non ? Bon. Bon, il nous faut une arme. Va regarder ce qu'on peut trouver. C'est toujours mieux que d'attendre sans rien faire. On dirait qu'on a retiré un des fusibles. D'où l'absence de courant. Pourquoi quelqu'un ferait ça ? Qu'est-ce que c'est ? Des balles d'argent. Comment elles sont arrivées là ? Le chasseur a dû les perdre. Il a dû monter par là pour attaquer Kathleen. Ces enfoirés sont partout. Quoi ? Oh, regardez juste l'échelle. Est-ce que c'est une toute petite trappe là-haut ? Oui. Eh ben, ouvre-la. Pourquoi ? On sait pas ce qu'il y a là-haut. Exact. T'as un peu suivi ce qui se passe ou pas du tout ? Ok, ce que je veux dire, c'est que ça peut être bien pour nous d'avoir une issue. Tu vois, on sait pas ce qui se passe dans le chalet et on pourrait peut-être aussi trouver de quoi se défendre. Ok. Ouais, t'as peut-être pas tort. Tout va bien ? Oh merde, ouais. Ok, ouais. C'était chaud. D'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête. Tu sens ça ? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok.
n'importe quoi. Je crois. Qu'on a trouvé Chris Hackett. De ne pas m'avoir tué. Ouais. Pareil. Bon. Tout le monde redevient comme avant. Quoi? Ah. Tu crois que c'est terminé? C'est pas si simple. Je comprends pas, là. Chris est mort. Hein? Chris, c'était pas le premier. C'est impossible. Caleb. Kaylee. La fille que t'as tuée. Son frère. Quoi? Caleb a mordu Chris et Kaylee. Chris voulait juste les protéger. C'était un homme bien, mon frère. Mais alors, qui a mordu Caleb? Silas. On le traque depuis longtemps. C'est un gitan, un nomade. Il avait quitté la région, mais on espérait le revoir pour en finir. Il a été repéré un peu partout sur la côte, un enfant sauvage albinos, un loup blanc géant. Un loup blanc? Hein? T'as dit quoi? Où? Où tu l'as vu? Hé, hey, lâchez-le! Vers les cabanons, un peu plus tôt! Ok. Ok. Bon, c'est logique. Je comprends tout, oui. Il doit être de retour depuis un moment, et c'est lui qui s'est jeté sous vos roues il y a 2 mois. Aidez-moi. Aidez-moi. On peut sauver Caleb. On peut sauver ce qui reste de ma famille.
On peut aider ceux qui sont encore en vie. Pourquoi je vous ferai confiance ? Je te demande pas ta confiance. Je dis juste qu'on peut en finir. On tue Silas, et tout le monde sera guéri. Tous ceux qui sont encore en vie. Ok, ok, alors... où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Je sais exactement où le trouver. Ok, allons-y. Bien. Ça veut pas dire que je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. Je comprends. Et ça dérangerait l'un d'entre vous de me trouver des fringues ? Vous aviez pourtant l'occasion. Vous aviez l'occasion d'éliminer cette famille maudite et vous avez échoué. Ça ne fait rien. Il reste du temps. Nous pouvons encore triompher. Le passé est le passé. Concentrons-nous sur le futur, voulez-vous ? La mort. La mort a bien des visages. Elle peut indiquer le changement, la transition, la transformation. Elle est souvent interprétée comme une balise pour l'optimiste. Dans votre cas, elle signifie... eh bien, simplement la mort. Le soleil, la vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie tout entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Le jugement. Les cloches du jugement annoncent un meurtre sanglant. Vraiment. La rage d'une haine acquise. Un destin bien mérité ? Sans doute. Mais il n'est pas sans utilité. Même s'il ne pardonne pas, il n'oublie pas. Le pape ? Où avez-vous trouvé ça ? Où l'avez-vous trouvé ? Elle n'a rien à faire là. Il a déjà bien assez souffert, non, non, non. Mon pauvre petit, tu vois ce qu'ils nous ont fait. Non ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oh!
Non. Maman arrive, Silas ! Silas ! Silas ! Il est toujours là, tout seul. À chaque pleine lune, il le traque, armé d'argent. Ils veulent mettre fin à la malédiction qu'ils se sont infligée en réduisant mon spectacle en cendres il y a 6 ans. Ces stupides gamins. Le petit Silas, mon petit loup blanc. Il faut le protéger. Cette voix, il faut la fuir. Vous m'entendez? N'oubliez pas que je vous aide depuis le début. N'allez pas oublier tout ce que j'ai fait pour vous.